D'un parti politique à un autre, d'une vision à une autre, plusieurs acteurs politiques en République démocratique du Congo s'illustrent de plus en plus dans le nomadisme entre perdre sa crédibilité et assouvir ses besoins politiques. Certains politiques sont prêts à payer le prix en tournant notamment le dos au leur. Mobutiste devenu kabiliste, kabiliste devenu tshisekediste ou encore katumbiste. Les motivations sont multiples. Certains évoquent des raisons de vision déroutées, d'autres par contre se camouflent derrière un nationalisme, la politique est dynamique de même que l'être humain, disent-ils. C'est le second dossier de ce magazine. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition CACH-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. C'était la surprise du chef, élu sans majorité à l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi est parvenu, sans passer par les urnes, à disposer d'une écrasante majorité en mettant sur pied l'Union sacrée pour la nation. Une surprise agréable d'une union imaginable pour la nouvelle législature guidée par le 5e président de la République démocratique du Congo. Au lendemain de la formation de l'Union sacrée pour la nation, la plateforme politique comptait 318 élus au sein de la chambre basse du Parlement, dont plus de la moitié des transfuges du Front commun pour le Congo, en rupture d'alliance avec la plateforme Cap pour le changement. Mais dans l'histoire, l'origine des faits est souvent lointaine. Après les élections de 2018 dans sa ferme située dans la périphérie est de Kinshasa, l'ancien président de la République Joseph Kabila réunissait les élus FCC afin de renouveler leur loyauté à l'autorité morale. Un dîner de chauves, les masques devraient tomber tôt ou plus tard quand le cœur est dans le positionnement. C'est l'intérêt qui guide. Le voile du navire dressé, il fallait lever l'ancre. Le vent de l'union sacrée est passé, les traditionnels insatisfaits et chercheurs de positionnement ont suivi la direction du vent. Pour la plupart, ces revirements sont au nom de l'unité nationale, de l'intérêt supérieur de l'État, de la main tendue. Il a parlé de l'union sacrée, c'est une vision comme il l'a dit. Il n'y a ni une plateforme politique, ni un parti politique. Il a dit « soutenez-moi ». Pour que nous fassions du Congo et notre Congo grand, prospère et respecté sur la scène internationale. Des raisons peu compréhensives et moins rationnelles. Positionnement politique, conviction, orientation divine née d'obscures visions nocturnes, chacun trouve son mot pour justifier son revirement. Il serait malvenu pour moi de faire un autre discours. Nous nous inscrivons et nous nous inspirons de ce discours pour soutenir la pensée, les idées qui ont été énoncées afin que ces idées fortes qui venaient de nous être annoncées se traduisent, deviennent de réalité. Il refuse d'admettre qu'en politique comme en sport, on gagne dans l'humilité et on perd dans la dignité. Il n'encure des règles de jeu démocratique et utilise les artifices politiciennes pour assouvir leurs desseins. Dans le contexte du Front commun pour le Congo, est-il judicieux d'indexer ceux qui traversent dans l'autre rive ou carrément l'exaspération vient au sein d'un groupe politique dont le silence du chef est difficile à sonder? Depuis un certain temps, l'avenir semble incertain pour les membres du Front commun pour le Congo, surtout à l'approche des élections. Il faut attendre la signature des candidats. Ou quelqu'un qui va signer à la place de Kabila. C'est à ce moment-là qu'on dirait que le FCC est représenté. Nous serons alarmement lorsque la crise sera consensuellement montée et contrôlée. Les sociétaires de cette plateforme ont visiblement perdu la boussole avant scrutin. Est-ce pour ces raisons que la plupart des anciens du FCC ont quitté ce navire pour prendre place à bord du navire Union Sacrée? L'histoire démontre que ces pratiques sont propres aux politiques qui n'ont pas appris à perdre dignement. La démocratie est ainsi faite. Que gagne-t-on en définitive en ralliant un camp adverse qui hier était opposant? Aucun gain rationnel si ce n'est de chercher une cagnotte de vie. Ces transhumants, achetés à coups d'argent, n'en restent que des traîtres, car la transhumance, c'est de la traîtrise, de la trahison. Je suis Kabili, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila. Je ne parle même pas
du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabyliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekédiste pur et dur encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Dans la vie, tout comme en politique, l'histoire se répète souvent et parfois toujours. Au lendemain de la signature de l'accord global et inclusif de Sand City en Afrique du Sud, plusieurs personnalités avaient quitté leur parti pour rejoindre le camp de Joseph Kabila. Olivier Kamitatou, Tambwe Mwamba, Antoine Gonda, pour ne citer que ceux-là, ils avaient laissé tomber la tunique MLC pour arborer les couleurs de la majorité présidentielle autour de Joseph Kabila. Autour de 18 années de pouvoir du président Joseph Kabila, plusieurs têtes d'affiche de l'opposition avaient changé de fusil d'épaule, prétextant des raisons de cohésion nationale. On n'est pas là uniquement pour le partage des postes, ce ne serait pas digne. Et on ne doit pas tirer profit de ce compromis, de cette concession, pour aller au-delà et pour rouler les gens. Un phénomène qui ne date pas de ces 20 dernières années. L'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Au lendemain de la mise en place du multipartisme, l'opposition face à Mobutu a été secouée par ce phénomène. Plusieurs membres de l'USORAL s'étaient retrouvés dans le camp de la mouvance présidentielle de Mobutu, prétextant les mêmes raisons ou presque. La plupart débauchés grâce à des coups de billets des banques ou par quête de positionnement tout simplement. Le phénomène est devenu récurrent et est considéré comme un fléau au sein de la classe politique congolaise en manque d'idéaux. Pour la plupart des politiques congolais, c'est au pied de la mouvance au pouvoir qu'il faut se déverser, peu importe les idéaux contraires. Comment mettre fin à cette pratique? La tâche revient aux partis politiques dont l'une des missions est de former ses cadres militants. Il faudra aussi un sursaut patriotique de la population pour retirer leur crédit à ces politiques véreux qui change des camps politiques à tout bout de champ. La transhumance traduit la dimension la plus immonde de la politique. Comme les dictateurs, les transhumants finissent toujours mal. On espère un assainissement des mœurs politiques alors que le phénomène s'est aggravé. Vous avez vu ce reportage, le journaliste, le reporter dans sa chute disait, comme d'habitude, les transhumances terminent très mal. Est-ce que c'est votre cas ? Non, je pense que, bon, il y a plusieurs cas. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que le président Tshisekedi n'a pas interrogé l'histoire de la République démocratique du Congo pour accepter certaines personnalités, puisque quand vous voyez tous ceux qui ont quitté le FCC, que souvent les gens appellent FCC, qui sont venus auprès du président Félix Tshisekedi, n'ont rien apporté d'abord au FCC, puisque Chadari, qui était candidat, a échoué lamentablement, soutenu par ces mêmes personnalités. Il aurait dû faire des calculs, créer ses hommes, ou faire confiance aux gens de l'IDPS qui l'ont permis, qui ont lutté pendant des années avec lui. Or, en prenant ces gens vomis déjà de la population, en leur donnant l'occasion de continuer dans la gestion, il n'a rien gagné, au fait, puisque les mêmes personnalités retournant demain aux élections ne gagneront pas. D'ailleurs, lui-même a déjà senti qu'il va perdre ses élections. Voilà pourquoi il ne croit qu'à la tricherie. Rallier les têtes du PPRD avec lui, c'est à son avantage. Oui, mais le PPRD était déjà mort. Le PPRD est vomi par la population. La preuve, le PPRD avec Chadel à sa tête a échoué, lamentablement. Ne regardons même pas les nominations. Regardez vous-même les résultats des élections réelles. Vous verrez qu'ils ont lamentablement échoué. Et quelques personnalités ont été nommées. Vous y voilà étiez, les vous gens, n'avez pas. Voilà les gens qui ont échoué. Lorsqu'on leur donne la chance d'être une fois de plus au Parlement et d'être au gouvernement, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils se disent, chance est l'eau au Pamba. Ça, c'est notre dernière chance. Eh bien, profitons, alimentons-nous. Le PPRD a échoué, vous alimentons, le dites. Alimentons-nous, alimentons-nous, parce que nous savons qu'après-demain, on n'aura plus une chance. C'est ce qui arrive aujourd'hui, puisque ceux-là même qui ont été vomis hier l'ont encore été cette fois-ci, parce que dans la politique, avec comme Félix Tshisekedi à sa tête, ils n'ont qu'amené la population à être de plus en plus contre eux. Tout simplement, vous n'avez qu'à voir. On nous parle d'un budget de 16 milliards. Par contre, la population est en train de vivre tellement mal, comme plus que à l'époque où il n'y avait qu'un budget de 4 milliards. Alors, je vous reprends, moi, tout à l'heure. Alors maintenant, la question que les gens s'interrogent, où parlent les 12 milliards
supplémentaires. Vous n'avez qu'à voir les trains de vie de l'État, les trains de vie de ceux qui dirigent. Vous comprendrez que cet argent est en train d'entrer dans les fonds et aux yeux aussi de la population. Et vous pensez que cette population va encore faire confiance à ceux qui sont aux affaires? Le PPRD, à la... je vous reprends, le PPRD a échoué. Vous étiez un visionnaire, raison pour laquelle vous avez fait une fuite en avant il y a quelques années. Oui, mais moi, je suis parti du PPRD, simplement. La tête haute. La tête haute, vous connaissez ma position, puisque j'ai dit que cette manière de faire, je ne l'acceptais pas. Moi, je suis parti avant tout le monde. Ce n'est pas une fuite en avant, non? Pourquoi? Non, mais moi, j'étais dans une famille politique où, ici à Kinshasa, j'ai dénoncé ce que faisait le PPRD. Et ça a failli m'écouter, ce que ça a failli m'écouter. Dieu merci, je suis encore en vie et je continue à mener le même combat. De la même manière, je suis en train de prévenir le président de la République actuel. C'est dans son intérêt qu'il a fait un très mauvais choix. Les personnalités avec qui il est ne lui apporteront rien. Il devait regarder le sang nouveau. Prenons l'exemple de l'Équateur. Il y a beaucoup de leaders qui ont émergé à l'Équateur. Ils pouvaient continuer à leur faire confiance, comme le ministre Luando et les autres. Voilà les personnalités qui ont émergé quand même, à qui ils pouvaient faire confiance et créer lui-même aussi ses hommes. Il est président de la République. Il pouvait créer, dites-moi, 5 ans du mandat du président de la République, il a fait 4 ans, il a créé qui? Au contraire, il prend les personnalités vomies par la population avec qui il continue. On parlerait du jeu politique, on parlerait du jeu politique où on prend... Il n'y a pas de politique là-dedans, c'est le ventre. C'est les jeux de ventre. Les gens qui ont fait, ils viennent, ils essayent de le tromper. Et lui, c'est surcharge parce qu'aujourd'hui, il est incapable de les démettre. Parce que chacun va dire, j'ai quitté ma famille politique pour vous. Vous êtes dans l'obligation de me récompenser et de me donner quelque chose. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je pense que le président de la République, avec le pouvoir qu'il a et les moyens qu'il avait, il pouvait créer des hommes. Il pouvait créer des hommes et des femmes qui pouvaient l'aider à aller gagner les élections. Puisque ceux-là sont vomis. Ce n'est pas avec ceux-là qu'il gagnera les élections. Voilà pourquoi il va échouer. Mais avec ceux-là, encore une fois de plus, il croit qu'il va se maintenir, faire le passage en force. C'est ce qu'il est en train de préparer. Or, ça ne va pas marcher puisqu'aujourd'hui, la population a tellement souffert que la population se prépare aussi à les chasser. Alors, est-ce que lorsqu'on on est membre d'un parti politique et finalement, au fil des temps, on se rend compte que la vision du parti est déroutée, quitter ce parti politique, est-ce qu'on pêcherait? Je prendrai ici le cas, par exemple, du PPRD dont nous parlons. Le PPRD, certains disent qu'il n'a plus de ligne politique pour ceux qui viennent de quitter ce parti. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pêché en se ralliant Alliance sacrée? Personnellement, personnellement, eux n'ont pas tort. La ligne PPRD n'est pas connue. Non, hein. Et ils n'ont pas tort. Ils cherchent à satisfaire leur ventre. Mais c'est celui qui les accepte qui commet une erreur. C'est celui qui les accepte, parce que c'est des gens qui ne vont rien lui apporter. Ils pensent qu'ils sont des leaders chez eux. Vous parlez par expérience de les connaître? Par expérience. Et je vous dis que, en sondant la population, vous verrez que ces personnalités-là, avec la souffrance qu'a la population, vous pouvez remplir un stade. Hein. Les gens viennent parce qu'ils auront un moyen de transport. Ce n'est pas ça. Il faut sonder sans ça. Vous savez, nous, en 2011, quand nous étions encore avec Kabila, on a fait un sondage. On a compris que si nous allons aux élections en 2 tours, Kabila allait échouer. C'est ça le vrai sondage. Faites le vrai sondage, vous verrez que ces gens-là, avec une élection à 1 tour, personne ne va leur faire confiance. Ils vont lamentablement échouer parce qu'ils ont géré avec Kabila, ils ont affamé la population. Maintenant, ils gèrent avec le président Félix, ils ont encore une fois de plus, ils sont en train d'affamer la population. Alors, pour le président Félix, c'est une charge. Chacun dit, on vous a soutenu, vous êtes obligé de nous laisser au gouvernement ou de nous donner quelque chose. Donc, voir maintenant, ils sont en débandade totale. Lui, il est surchargé, il ne sait pas quoi faire, alors qu'il avait largement le temps de créer des nouvelles têtes ou d'autres personnalités crédibles au sein de la République démocratique du Congo. Il y en a. Pourquoi? Comment pensez-vous faire du nouveau avec les anciens? Impossible. Alors, est-ce que de votre expérience, quitter d'un parti politique à un autre... Est-ce que c'est encouragé? Est-ce que c'est avantageux? Oui, parce que lorsque quelqu'un est quelque part, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Lorsque quelqu'un trouve que là où il est, ça n'a pas marché, Étienne Tshisekedi était au MPR, lui fait partie de ceux-là qui ont élaboré le manifeste de l'Antselé. Lorsqu'il a vu que le MPR ne marchait pas, eh bien, il est parti, ils ont créé l'UDPS. Vous voulez me dire qu'il n'avait pas la conviction, qu'il n'avait pas l'amour de faire changer les choses? Oui, il avait la conviction, il avait l'amour de faire changer les choses et il est mort dans ces combats. Est-ce qu'il n'a pas eu des tentations?
Bien sûr qu'il y a eu des tentations plusieurs fois. Il a été tenté même sous Kabila ou quoi que ce soit, mais il n'a pas cédé à cette tentation. Il est mort. Voilà pourquoi nous l'acclamons toujours. Nous continuerons à les prendre comme étant un modèle. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui font le changement, c'est différent. C'est différent de quitter un parti politique où on sent que ce parti politique ne se bat plus pour l'intérêt général ni pour la population, plutôt que de quitter un parti politique pour le vendre. Et ça, ce sont des changements alimentaires que la population n'encourage pas. D'ailleurs, vous verrez que la plupart, la population ne va pas les suivre. Très bien. Allez, nous allons prendre le troisième dossier.